Beauté, bonjour, beauté, bonsoir et bienvenue encore dans Katia Blessing Star TV. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bisous, bien en Zambé. Et l'autre est sous Naribo qui n'a biso ya toye kolakotonga bilamba. Tozope sa merci, na ba abonnement na bino, na kata chaîne na biso YouTube ya Blessing Star TV. Nzamba pambola bino. Bon, continuez, vous partagez, vous commentez la vidéo, s'il vous plaît. Vous aimez, demandez aussi à vos proches de s'abonner. Pour aller là, vous avez toujours la ça. Vous avez toujours la robe. Et ça, c'est les stones courtes. Oui, tout ça, la vidéo, n'a au moins belé. Mais on a préféré de partager ça parce que notre mannequin, Azam Nene, contour nae et l'équipe contour ya taille na biso et l'équipe contour ya matériel na biso à mettre ribbon comme vous pouvez voir ici mettre ribbon nanga et ce qui na 150 mais hier contour nae et ça 154 et c'est pour cela nae na kata yango na caméra pour na la tisande ni yokoki ko réussir ce qui mutu azana ba partie et l'équipe ba matériel nayo. Et puis, ce qui a pèsé bison zela, n'a ko publié comment ko zwa mouta bongo mesure po o reçure coupe na yo. Mais po na lelo, tozo kata nanou, elamba na biso, restez connecté. Dengue na lobby, tozo kata parti celestone, po na parti celestone, eza na ngo to ko insiste minite parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses ya celestone, ya godé. Vous pouvez vous inspirer d'autres vidéos et couper ça yo même résultat et partie ya taïnde tokolobi la parce que c'est ça la partie oyo et pour ça qui biso tout ça la vidéo oyo et là je vais repasser pour marquer mes lignes l'inanga ya milie pour bungate parce que il en bas au nord ça de là et ça un peu trop glissant. Comme vous pouvez voir, na calcula ngo bien ndenge na lobby mannequin nga aza penza na forte poitrine. Il faut respecter le mesure les proportions de bokomona na beti calcul nga po ezwanga e compliqué ngati. Pour la partie jupe, na zo side la pour un côté longueur ou nos anango besoin eza ya 93 cm. Longueur ya coupe nanga eza ya 93 cm et puis pour na bimisa contour ya taille nanga je vais travailler nazo mesurer 21 d'abord pour na retrouver cercle nanga. Ces écrits ici je l'avais fait avant pour savoir à combien je vais situer et maintenant là je travaille de bomoni na tiki yango pour montrer que avant de travailler il faut d'abord faire le calcul pour éviter avoir le erreur et surtout neti de na lobby mannequin oyo aza munini quand vous faites une petite erreur donc vous allez le regretter et perdre beaucoup de tissu pour y amener ma case. Oui, ça le cola contour taille na ngai. Maintenant, je vais commencer à mesurer à partir de ce point ici, à partir de ce point ici, jusqu'en allant là en bas ici pour avoir la longueur et puis je vais tracer la même contour. Et là, ça me fait 92,5 cm. Et je finis les tracés. Et je suis en train de relier mes 92,5 cm. Et là, je vais reprendre le ciseau pour les couper et aller poser sur l'autre partie qui va me servir de la partie dos de la robe partie jupe.
Awa, net nesi si kokata, loko la parti moro na kate la ki kote oyo parti msu na oki kokate la kuna paske tisi nanga eza nango na desin compliqué te poke na ekonomize tisi. Je vais utiliser la partie haut là-bas. Et voilà que je place au-dessus. Na kate ango pe. Et ici, je viens maintenant découper la taille. Awa, partie jupe na biso to sili. Ici, maintenant, on va passer à la partie blouse. Awa, ce qu'on a kata partie blouse na ngai, de na lobaki, manke na nga aza na contour na ye, na divisé ango par 4 salingai, 39 cm. Sikoyo, na osa il a 4 cm à couture et coupé sangai 43 na de nazo mesuré 43 nangai. Comme vous pouvez voir, na mesuré 39 cm nangai ya 1 quart ya contour à mannequin na valeur à couture et puis longueur ya partie blouse ezali ya 52 na tchina valeur ya couture nangai 3 loko la 55. Pour na valeur à couture ezo varié na proportion ya grandeur ya tissu oyoza nango netinga pona ba soubra nanga na tie yango ya 4 cm pona couture nanga ya épaule na ya bakuna na tie ya 1 cm demi 1 cm et demi soro mono ko sela 1 cm zo dépendre na grandeur ya tissu oyoyo oza nango sikoyo awa na zo mesurer eloko oyo comme je vous avais dit au début o etindinga na sala vidéo oyo eza que manke nanga aza munene. Na munene oyo azali. Et puis, problème eza que soki mutu aza munene na ba mesure net ya ba contour a manchir tozala kana différence a makasi soko ke kosalela kaka ndenge osalela kana ba manke nyonso en tout cas oko réussir lipeka na ete. Et pardon ko réussir a manchir na ete. Po soko tali bien bato minene bazalaka na mwa ba excès ya musuni na se ya mapeka. Soka zane kisa musuni na sa mapeka yo kyo kati kontu wana ka na mesure normal de to trasaka patron normal oko echoue na coupe na yo yangwana ifo tenir compte ya kontu na ye nde bomoni na lobi na kosenga ye soka permettre nga na ko publier video ya comment na zwa ki ye mesure pona reçu a manchir. Et voilà, awa na kiti na 27. Je vais prendre la mesure ya 27, on a mesuré à partir ya ligne épaule na ngati awa, na ko mesurer ngo a na c po na luka na tracé ligne na nga ya sous bras ya ngoyo. Et puis maintenant épaule na ye ezala ki a 13. Ici, je vais mesurer 14. Na valeur à couture. Awa. Comme je dis, valeur ya couture nanga eza awa. Et là, à partir d'ici, je viens tracer la manchure. Bomona a manchure oyo. Eza penza eza munene. Bomoni eza munene. Eza munene. J'insiste sur ça. Bazala kanaba exe ya musuni parti oyo. Il faut mesurer. So mesurer te oko echoue. Et puis musale si le monye bimye loko lukate ou perdre. Et à partir ya awa, na ope sa forme ya kingo nanga, bongo nazo katango. Nazo mesurer. Faut tenir vraiment compte de ça. Po soki osali kaka erreur mukie. Pour réussir, manquer na yote et rosala malamte. Moussala to sala, et ça pour nous satisfaire, ba client na biso. Ata soke za ya yomoko, faut avoir, j'insiste sur ça. Et ça pour nous partir où on est dans la vidéo. Siko awa, nazo katango.
Awa na zasko na ki kokopie yango na do na milier ya do na kobakisa valeur pe ya 4 cm pona couture nanga na tia etirette. Voilà, na zui na mesure ba valeur nanga couture yango na bakisi awa. Nazo kende ko kata yango kingo nanga na otombo lango ka mukie ekita ndenge moko na dote en pardon na devante na tombo ya mukie bokomo na devant kingo na yango do yango donc ezomona na te mais vous pouvez voir avec le ciseau devant kingo eza awa place ciseau nanga eza edo na kata a na remonta ngo juste mukie. Voilà, ainsi sur kata arrangé inanga yoyo et maintenant je vais couper la manche et maintenant je vais couper la manche et ma manche je vais couper les deux au même moment. Nous avons posé un cercle mon corps et puis comme vous pouvez voir je plié ça en deux déjà des hauts et ça le quoi considérer ou ils a parti à manche gauche ou parti à manche droite et puis je vais venir le replier comme ça et faire un carré pour obtenir mes deux manches pendant que je suis en train de couper une fois pour tout. La partie ici c'est 39 et puis je vais prendre les 39 mesurer ici de ce côté pour avoir le carré et mon carré est là que je vais faire passer le fer au-dessus pour ne pas avoir des complications pendant la coupe. Et maintenant je vais prendre le crayon la craie et mesurer 10 cm pour tracer la ligne du cercle. Voilà. Ça, c'est mes 10 cm. Et je vais faire la même chose pour reproduire mes 39. Et voilà, cercle nanga ngoyo il y a 39 cm au nord kata. Et là, na fongoli yango boye, ou eza considéré le cola partie nangai il y a manche partie ou ekozala na haut ya épaule et la partie ici ça va être na se ya mapeka. Awa sikoyo nazo ya kozwa cercle nanga oyo nazo réduire yango awa parce que na sali peka ça peut pas être la même valeur que nani likolo alipeka donc nangeka na respecter partie nanga ya likolo et puis en bas je vais le rétrécir et à partir d'ici je vais mesurer la longueur de ma manche. Longueur ya manche nangai na tche yango awa na tche 30 31 comme ça et voilà. Maintenant à partir de là je vais venir recréer ces cercles qui va me permettre d'obtenir
amanchir na partie manche. Donc, nazo zwa cercle nanga 10 oyo nazo bandelango awa nazo remesiré. Comment je veux faire? D'abord, na bandi awa na soubra nanga na koti na 10 cm. Et puis, je prends la mesure qui me reste ici, 23, je le divise par 2, ça va me faire 12 et demi. 12 et demi, nanga na eko mesure sous mes 12 et demi. Ah ouais, na mesure mes 12 et demi comme ça. Et puis, je veux reproduire ça comme cela. Boye, nazo reproduire yango. Et, de nako obtenir cercle ya manche nangai. Même proportion, même détail na pesi, so ki manke azamukie, oko réduire kaka na forme ya mankien. Ya nzoto ya mankien na yo. Awa chiko yo, je vais couper ma manche comme ça, na forme na yango. Oyo esengeli et zalela. Et puis je viens ici, vous voyez, à rien. Je suis là. Et là, quand je vais couper ici, oyo ozaluku la manche nanga. Et puis ziana kata. Et autre chose, na ligne oyo ya modification ya cercle na biso awa ya 39 oyo. Ligne oyo ya awa place to bouger les 39 na biso poto bande la courbe oyo. C'est à partir d'ici nde okobanda koluka o retracer une petite forme cercle poya e relio na parti ya sous bras ya manche. Et là, je viens arranger ma manche na pesango courbe parce que ça est un peu gonflé là. Et na kebi ma trop gonflé awa. Comme ça, c'est bon. Ici, comme ça, ça va. Et là, je vais découper ici. Comme vous pouvez voir, na dessin ali putananga loko la partie mon kweza rouge, partie mon sous kweza jaune. Ce que je fais, na dessin nanga rouge et kweza likolo et puis jaune et kweza nase. Et puis quand je vais poser ma manche, voilà le résultat de ma manche, ça serait comme ça. Vous allez voir ça aussi sur la mannequin et voilà, ça serait comme ça. Awa nazo kende na okata doublure na ensemble na sala ba pince et puis non la kisabino comment je vais monter la manche parce que ça c'est la partie efeko la kisamana vidéo d'autres parties déjà tout monde ndeni to tira ba doublure ndeni to tira ba pince ndeni to tira ba poche. Je vais achever ça et puis vous allez voir.